Alors, la question du budget revient très régulièrement quand on parle des solutions publicitaires. De mon point de vue, il n'y a pas de budget min ou de budget max. En fait, ce qui détermine généralement le budget idéal va dépendre de vos objectifs personnels. Donc, si par exemple votre objectif c'est de générer 10 clients et que ces 10 clients vous êtes capable de payer 10 euros pour les gagner, en fait votre budget il est assez simple. Il suffit de faire 10 clients fois 10 euros et ça vous donne en fait 100 euros de budget pour pouvoir acquérir vos clients. Donc ça, c'est une méthode si vous voulez en fait estimer votre budget publicitaire. Une autre méthode qui peut être faite, c'est d'estimer la taille de votre marché. Donc imaginons que vous vendiez par exemple des produits capillaires. On pourrait très bien faire une étude, essayer d'estimer quel est le volume de recherche qui est fait par jour sur ces termes de recherche. Et ensuite, à nous de décider quelle est la part de marché que l'on veut prendre là-dessus. Généralement, nous, on estime qu'il faut prendre 30, au minimum 30% de part de marché pour avoir des résultats concrets, parce que ce que vous voulez, c'est être visible au bon moment. Et si vous avez assez de budget juste pour avoir un clic par jour, qu'est-ce qui vous dit que vous aurez cette visibilité au bon moment de la journée pour toucher la bonne personne? Donc au début, ça nécessite peut-être un peu plus de budget pour pouvoir mieux mapper et scanner en fait vos opportunités sur ces plateformes-là, pour ensuite après venir les réduire vos budgets et l'adapter exactement pour avoir un retour sur investissement qui va être positif. Donc c'est ça en fait la base de la budgétisation sur les solutions de Google ou de Facebook. Une autre approche aussi qui peut être intéressante, c'est généralement d'essayer de mettre assez de budget pour quand même assez rapidement avoir de la data. Donc nous, chez Donuts, on a tendance à recommander d'avoir des budgets minimums qui vont tourner autour des 500 000 euros si vous êtes une petite entreprise. Et plutôt autour des 3 000 euros si vous voulez vraiment avoir un maximum de data très vite. Donc là ici c'est juste une question de temps. Plus vous avez de data vite, plus vous pourrez prendre des décisions éclairées rapidement. Donc voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de budget min, il n'y a pas de budget max. Souvent c'est en fonction de vos budgets. Et généralement, à moins que vous ayez des budgets ridiculement bas, comme par exemple 1 euro, vous pouvez en fait très bien faire la performance avec des budgets de 300 euros. Mais pour cela, en fait, je vous invite à vérifier avec un expert qui pourra vous dire si c'est pertinent par rapport à la volumétrie de recherche ou d'opportunités qu'il y a sur votre marché.